Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse de ne pas avoir donné de nouvelles depuis un certain temps. Cela est dû bien sûr à l'occupation et au nouveau quotidien que je vis ici à Marrakech. Mais tout va bien, c'est super. Alors, commençons d'abord par l'épicerie. Donc, c'est vraiment un projet qui est très bien réussi. C'est super. Au niveau des estimations de la rentabilité que j'avais prévu en 6 mois, là, c'est super. Donc, c'est plutôt rentable même depuis le premier mois. Puisque ça couvrait toutes les charges sans problème. Et maintenant, on commence à faire un peu de bénéfices. Et c'est vraiment super. Donc, tous les jours, presque tous les 2-3 jours, on a des nouveaux clients. Et bien sûr, parce que on a mis plusieurs stratégies, si je peux appeler ça, en devant de la scène pour rendre notre commerce intéressant et attractif pour les gens qui viennent dans le magasin. La première des choses, c'est que l'équipe est formidable. Toujours le sourire, vraiment la sympathie, tu vois. Sans se forcer à la faire. Donc la sympathie naturelle, le sourire naturel, et ça c'est important. Des prix corrects et raisonnables. Et donc quand les gens font la comparaison avec nos tarifs et les tarifs d'autres magasins, ils trouvent toujours que c'est moins cher, c'est super. Donc cela encourage bien les gens à venir acheter nos produits. Troisième des choses, c'est que on a plusieurs produits qu'on ne trouve pas dans les autres magasins. Et ça, c'est bien sûr une chose que je me suis promis et que j'avais décidé avant même l'ouverture du magasin. Et la disponibilité et la propreté et bien sûr l'importance du magasin où on trouve tout ce qu'il faut, presque toutes les choses dont les gens ont besoin. Donc c'est super intéressant. Et c'est sûr que ça va continuer ce grand succès, cette grande réussite. Et je crois que ce n'est que le début, puisque maintenant, avec le tourisme qui reprend, donc les guides donc viennent s'approvisionner ici dans le magasin. Et là aussi, on a commencé à travailler avec deux sociétés de trek qui font vraiment, donc qui ont beaucoup de trek. Tout ça, c'est sûr que ça va être un grand plus pour le magasin. Et donc voilà, ça va être ça va être vraiment du business. Et dans ce cadre, donc s'il y aura encore plus de business grâce au tourisme, certains prix pour les produits alimentaires de base
ils seront moins chers, surtout parce qu'on est dans un quartier populaire et puis vraiment il y a beaucoup de gens qui est de la classe, on ne peut pas dire très pauvre, mais il y a vraiment des pauvres. Donc comme les aliments de base, par exemple, là le premier produit qu'on vend, vendu dans le magasin, c'est la farine. Ça, la farine, ça c'est le premier produit qui sort. Donc c'est ces grands sacs de farine à 25 kilos. Ça c'est vraiment notre première vente, c'est la farine. Après c'est le sucre, le thé, les féculents, ça c'est les produits de base. Donc si on commence à faire un chiffre d'affaires important grâce aux commandes de Trek, on a décidé de rendre encore plus accessible les produits alimentaires de base à la classe pauvre. Voilà. Par contre, un problème qu'on a rencontré, que j'ai rencontré au niveau des coopératives, c'est que, par exemple, là je vous montre un produit. Ça c'est du vinaigre bio que j'ai ramené de la vallée. Mais bien sûr, ils n'ont pas une autorisation, donc qu'il faut qui est donnée par le ministère de l'Agriculture. Et donc au niveau du contrôle, donc quand on est contrôlé au niveau des produits qu'on vend, normalement on n'a pas le droit de le vendre parce que ça, il n'a pas cette étiquette que la coopérative devait avoir. Pareil, c'est pareil par exemple pour ces produits-là, comme le miel. Ça c'est une coopérative qui nous a vendu. Par l'huile d'argan, pareil, l'huile d'argan cosmétique, pareil, l'huile d'olive, pareil. Donc ça c'est des problèmes qui sont liés normalement quand les contrôleurs viennent, donc ils nous demandent que ces produits-là soient étiqueté par une étiquette qui est donnée par le ministère de l'Agriculture. Et quand on le demande aux coopératives, ils disent ça on ne peut pas le faire parce que c'est trop cher pour payer cette autorisation. Donc il y a une contradiction. Donc ça c'est vraiment des produits maintenant qu'on vend par confiance. Alors les contrôles là, on a été contrôlé pour l'instant deux fois. Ils nous disent que après deux ans, donc dans deux ans, on n'aura plus le droit de vendre ces produits. Et ça m'a beaucoup étonné. Donc j'essaie de trouver des solutions pour voir comment ça pourra marcher. Et des moyens, c'est que les coopératives s'achètent cette autorisation et qu'ils nous mettent ces étiquettes sur les produits qu'ils nous vendent. C'est ça la seule difficulté ou un peu la contradiction qu'il y a. Alors que d'autres produits, par exemple, de coopératives, ils sont étiquetés. Par exemple, là, c'est des couscous faits maison, mais ceux-là, ils sont, ça passe au niveau du contrôle. Et c'est des farines de maïs, des farines de millet, du mil. Mais c'est fait par des coopératives qui sont en ville.
et donc qu'ils avaient la possibilité. Donc ça c'est fait par des coopératives, des grandes coopératives. Ils avaient la possibilité de payer ces autorisations. Voilà. Alors, bienvenue quand l'occasion le permet. Donc, pour ceux qui peuvent venir, donc ce sera un plaisir donc de boire un thé ici ou même de manger un repas. Il y a tout ce qu'il faut pour préparer. Mais si sinon, bien sûr, ceux avec lesquels on va faire le trek, on aura bien le temps de faire un petit repas ici dans le magasin. Voilà, je crois que la vidéo est déjà longue. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre aide, sans laquelle ce projet ne pourrait pas voir la lumière. Donc, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. On est très content que c'est un peu la fin de la pandémie. Je vous dis à très bientôt. Salut mes amis, au revoir.